tous et bienvenue dans cette critique sur Mercredi / La Famille Addams, l'histoire de Mercredi, sur Netflix. Allez, Mercredi, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Mercredi, la fille de la famille Addams, donc de Morticia et de Gomez, qui se retrouve du coup dans un établissement scolaire où il y a des gens un peu bizarres, avec un peu de pouvoir, des gens qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Elle se retrouve donc dans l'établissement de Nevermore, dans lequel elle va se retrouver en colocation avec une jeune demoiselle qui, elle aussi, est un peu spéciale et qui est tout le contraire d'elle, c'est-à-dire tout ce qui est licorne, beauté et compagnie, et l'inverse de la famille Addams, qui est bonjour Noctalie, tout comme Noctalie, tout noir. Merci Noctalie pour le caméo. Du coup, la famille Addams, je pense que vous la connaissez, parce que c'est une famille qui existe depuis maintenant très longtemps dans le domaine du ta gueule Noctalie. Elle est donc tout le contraire de Mercredi, c'est-à-dire que le Mercredi est plutôt dans tout ce qui est glauque, gore, sombre, dangereux surtout, hein, comme la famille Addams le préconise, le montre et le démontre. Ça me donne de l'urticaire et ma chair se détache de mes os. Et à l'inverse, du coup, sa colocatrice, qui est, alerte spoiler, qui est une jeune loup-garou qui n'arrive pas encore à se transformer, mais qui, elle, du coup, aime tout ce qui est arc-en-ciel, lumière, jolie musique, brisement des compagnies, quoi. Enid Sinclair. Enid Sinclair, voilà, c'est le nom de sa coloc. Enid Sinclair. Enid. Donc, la série ne s'arrête pas seulement à un petit truc un peu teenager, puisqu'on a une enquête. Il y a des meurtres, des disparitions, et une créature. Et bah, du coup, Mercredi va enquêter là-dessus, puisque bah, elle aime bien enquêter sur des choses, des disparitions, visiblement. Quand Mercredi écrit un roman, et que du coup, elle aime bien avoir des petites aventures à raconter, et bah, c'est fascinant quand même, il y a des meurtres, on enquête dessus, voilà. Alors, Mercredi sur Netflix, est-ce que c'est bien? Oui. Là, on est à la première saison, pour l'instant, ça a annoncé déjà une saison 2, ce qui veut dire que la série a cartonné, hein, on va pas se mentir, elle est sortie quoi, octobre? La série est donc sortie fin octobre, début novembre, sur Netflix. Et réalisée par Tim Burton. Est-ce qu'on reconnaît la patte de Tim Burton? Oui. Est-ce que c'est comme avant? Non, c'est plus le Burton qu'on connaît avant. Mais ça fait plaisir de voir Burton faire une petite série, surtout dans le thème de la famille Addams, sachant que c'est un projet qui lui tenait à cœur, mais à l'époque il avait pas pu faire, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il devait faire Batman. Au casting, on a Jenna Ortega, si je dis pas de bêtises, qui joue du coup Mercredi, donc qui est un petit peu, qui porte le film sur ses épaules et qui le porte très bien, à tel point qu'il y a même aujourd'hui des mêmes TikTok et des danses TikTok sur le fait ben, de sa danse un peu space, que je pense vous avez tous vu. Bon, je sors la critique un peu tard, mais c'est surtout pour vous dire ce que j'en ai pensé. Au premier abord, la série est cool. J'ai retrouvé la famille Addams, ça fait plaisir, ça faisait tellement d'années qu'on les avait pas vus, et en dehors des dessins animés bien évidemment. Du coup, bah, c'est super cool, et le fait qu'on reste concentré sur Mercredi, qu'on développe un petit peu plus bah, les enfants, je trouve ça bien, dans le sens où, de base, on développait davantage Gomez et Morticia, que là, bah, ça va être sur Mercredi, et son oncle Fétide. Il y aura quand même l'oncle Fétide, ça fait plaisir, il y en a tout, même la chose, il faut pas oublier la chaussée, la petite main qui se balade, et voilà, elle est aussi dedans. Donc, est-ce que j'ai aimé ça? Oui, j'ai aimé la série, je l'ai trouvé vachement bien, j'étais pris dedans, mais j'attendais qu'une chose, c'était bah, de continuer la série, d'enchaîner les épisodes. Donc je me suis régalé à la regarder. Et pourquoi? Déjà, son scénario, il est assez prenant. On mène l'enquête avec elle, on pense avoir bon, on est mené sur des fausses pistes, on hésite, on est... Voilà, on est dans le truc, et ça, déjà, ça fonctionne au niveau de l'enquête policière. Au niveau du fantastique, pour moi, ça fonctionne un peu moins bien, dans le sens où j'aurais voulu qu'on exploite du coup un peu plus les autres personnages pour un petit peu plus cette école, et je pense que c'est ce que va apporter la saison 2 avec les petits cliffhangers posés ici et là et les petits indices. Ensuite, en ce qui concerne la bande-son, il y a de très bonnes musiques et de très bons morceaux. Voilà, pas grand-chose à dire dessus, c'est Danny Elfman qui a fait le thème, donc on ne retrouve pas le... Même si on le retrouve. Là, je ne vais pas trop spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu, le fameux... On l'a, mais pas dans le générique. En ce qui concerne les autres personnages, ben là aussi, ils sont pas mal bien écrits, à part 2-3 noms. Je crois que c'est une sirène qu'elle joue. Donc, à part la sirène jouée par Joy Sunday, je regarde les notes, Bianca Bardet, que je trouve qui est un peu sous-exploitée, que je pense va être un petit peu plus exploitée, même beaucoup, dans la saison 2, puisque j'espère que tout va tourner autour d'elle dans la saison 2 et autour un peu plus de l'internat. On va bien voir. Mais ça a l'air sympa. Il y a des petites intrigues amoureuses, il y a un peu de tout en fait dans cette série, mais qui est fait avec justesse. J'avais peur qu'on tombe sur un Sex Education version Famille Addams, ce que fait d'habitude Netflix, et c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est plutôt bien. En ce qui concerne les décors, c'est magnifique, on voit vachement le contraste, surtout lorsqu'on est à l'internat entre Mercredi du coup et sa pote, le côté lumineux et le côté sombre. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène qui sont très bienvenues, qui sont très bien sur le ton du film. Il y a un petit côté horreur qui va fonctionner sur les plus jeunes, mais qui va pas du tout fonctionner chez les adultes, faut être honnête. Même si je crois qu'il y a peut-être un ou deux jumpscares, mais je suis plus sûr. Bref, Mercredi c'était très bien.
Moi j'ai bien aimé. Si vous l'avez pas vu, bah, je vous conseille d'aller voir si vous aimez bien tout ce qui est Famille Adams et une série un peu sombre. Mais faut pas oublier que ça s'adresse surtout aux jeunes. C'est ce qui est un peu dommage, ça s'adresse principalement aux teenagers. Voilà, c'est tout pour la critique sur mercredi. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. Bisous à tous. Espèce de boomer.